Avec différents groupes d'instruments, comme vous voyez, avoir des cuivres qui sont les instruments derrière, trompette, corps et trombone. Vous pouvez lever vos instruments, s'il vous plaît? Allez, encore, voilà. Ces quatre instruments ne sont pas du tout équivalents aux autres qui sont devant, donc on est obligé de séparer l'enseignement, mais à la fois les réunir pour en faire un orchestre symphonique. C'est bien le terme qui est ici utilisé. Symphonique, ça veut dire mettre des sons ensemble. Et là, cet orchestre symphonique est typique de cet orchestre que l'on peut retrouver chez Mozart, chez Haydn. On a l'orchestre symphonique du Collège Varèse, des talents de Varèse. Nous allons écouter une version donc, de Frère Jacques qu'on appelle Bruder Martin. Vous allez d'abord l'entendre à l'unisson avec tout l'orchestre pour qu'on puisse s'accorder. Et ensuite, vous verrez un canon se former progressivement. Le canon, on en reparlera juste après ce morceau-là, puisque la chorale des 6e de Guinée va s'installer derrière. Eh bien, elle viendra nous chanter justement des canons pour aller dans le même sens que ce qu'on va écouter maintenant. Les chroniques et puis une voix magnifique pour chanter en particulier la musique de ce certain Georges Friedrich Haendel qui est l'un des grands compositeurs de ce qu'on appelle l'époque baroque.